Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Dom Gaye Ndiaye, Warol T, Warol Ragan, la plus prestigieuse des compétitions. Bonne compétition, c'est la Ligue des Champions. Donc voici le retour dans la Ligue des Champions 2020-2021. Yagoulan, finale c'était en août et septembre, nous dans octobre, voici le retour dans la Ligue des Champions avec le Bayern de Munich qui remet son titre en jeu. Qui va succéder au Bayern de Munich? Lolo Nilay. Quand on est au Bayern de Munich pour la saison 2020-2021, c'est ça la grosse. Question, en tout cas, les champions, mardi, ils ont démarré. On avait fait le tirage, donc le tirage des phases de poule. Donc, ils ont affiché. Maintenant, Tcholi Diagne, on va démarrer les phases de poule. Les Sénégalais, ils sont engagés. Nous, Sénégalais, nous sommes engagés. Nous démarrer parce que Sénégal, nous sommes engagés. Fierté, donc il y a beaucoup de Sénégalais qui sont engagés. Olympiakos Le Pirée, et pas aussi Ousmane Ba, le duo donc de défenseurs. On a Sadio Mané naturellement, on a Kalidou Koulibaly. Donc non, Koulibaly ne joue pas donc la Ligue des Champions cette année parce que Naples était mal classé, donc ils vont jouer la Ligue Europa. Donc il y a Idrissa Gueye avec le Paris Saint-Germain, vice-champion d'Europe. Ils ont été battus par le Bayern de Munich, mais quand même, donc Idrissa Gueye donc mérité donc la victoire hein, pour succéder à Sadio Mané. Mais ce n'est que partie remise cette saison. Il va essayer de gagner pour la première fois de sa carrière la Ligue des Champions. Donc ils ont aussi amené un Sénégalais qui aura joué comme Bouna Sa qui est un franco-sénégalo-guinéen, moi aussi il joue pour le Bayern de Munich. Donc beaucoup de Sénégalais sont en lice pour cette Ligue des Champions. Donc ils ont mardi 19h GMT on aura Chelsea Séville, donc un match connu en deux équipes qui jouent au football, mais Séville par favori hein, pour moi dans le match parce que Séville est beaucoup plus équilibré. Chelsea a des problèmes défensifs. Donc vivement le retour d'Edouard Mendy. Donc Mendy sera trop courant pour ce match parce qu'il a été blessé avec les Lions du Sénégal. Espérons qu'il soit de retour. Donc Rennes, nous aussi Fatona, Amna Alfred Gomis, Mofane, Mbaynia Mofa. Il y a aussi deux Sénégalais. Donc au niveau du stade, Rennes Moïdal, Krasnodar, Fletcher Russie. Donc Kouban Krasnodar, donc mon Russie l'année. Donc ils vont en découvrir avec le stade Rennes. 19h GMT, groupe F. On aura Zenit Saint-Pétersbourg à Bruges. Bruges, on a Youssouf Badji, on a Crépin Diarra. On a deux Sénégalais à Bruges. Ils vont se déplacer en Russie pour jouer avec le donc Zenit Saint-Pétersbourg. Lazio de Rome, Moïdala Dortmund. Donc Lazio de Rome, Tiro Immobilier, Moïdala Dortmund. Bu Erling Haaland, groupe G, Dynamo de Kiev, Ukraine, Moïdala Juventus de Turin, pour Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo, Covid-19, il ne va pas jouer, ça c'est très clair. Donc 55e GMTL, pas de couille de facette, dernier de match avancé. Et à 19h, on aura l'FC Barcelone. Donc de Lionel Messi et d'Ansu Fati, Moïdalal, Ferencváros, un club hongrois. Et groupe H, on aura le Paris Saint-Germain de Idrissa Gueye, Moïdalal, Manchester United, pour Edinson Cavani, match of the year, surtout pour Edinson Cavani qui va revenir au Parc des Princes après avoir été libéré par le Paris Saint-Germain. Donc il n'a pas eu le traitement boomerang parce qu'il est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc Warnoko, donc libéré non, il méritait un meilleur départ, Cavani. Il va venir pour se venger. Donc match spécial pour Cavani qui revient sur son... Donc, sur son entre, donc dans son entre, ou bien dans sa pelouse, le Paris, donc le Parc des Princes, Leipzig, Moïdalal, Istanbul, Bayeshehir. Donc, Leipzig à Paris, Hamantane, Istanbul, Bayeshehir, Moïdalal, Adem, Allemagne, Dieu, Leipzig. Donc, Istanbul, Bayeshehir, c'est un club turc de Dembaba. Donc, Dembaba va jouer la Ligue des Champions. Donc, ça sera des matchs de très haut niveau. Donc, ça, c'est pour la journée du mardi. On espère qu'on aura des matchs de très haut niveau pour donc régaler les. Spectateurs, Dom Gaye Ndiaye, Warol T, Warol Ragan. Donc, on va brosser un peu le football européen avec Aston Villa, irrésistible. Hein. Aston Villa, Mofek Leicester, Patalko. Aston Villa est deuxième du championnat d'Angleterre avec un point de retard sur Everton, mais avec un match en retard. Aston Villa, Midon, lutte pour le maintien. Rennes, Monek, l'invaincu en Premier League. Donc, c'est pour dire que Monek et Everton sont les deux clubs invaincus au niveau de la Prime. Donc c'est pour dire que le football va vite avec Barkley, McGinn, avec Grealish, donc c'est une belle équipe. Les Villains, donc ça c'est très clair. Donc Dominic Calvert-Lewin, moi le meilleur buteur de l'équipe donc de la Prime League avec cette réalisation. Côté Espagne, Suarez a encore marqué, le Barça a perdu, le Real a perdu, donc ça c'est historique. Ça c'est historique, donc Suarez a marqué son 150e but en 195 matchs de Liga. Donc Suarez, presque 5 matchs, il manque 2 buts. Donc Bayern en démonstration, Nyondor, Armina Bielefeld, 4 buts en, donc Bayern. Donc Nyondor, deuxième avec 1 point de retard sur Leipzig, donc premier avec 10 points. Donc Zlatan Ibrahimovic gagne le derby de Milan. Donc Nena, Milan a un roi. Le Milan AC a un dieu. Donc vraiment, Zlatan Ibrahimovic, c'est le très haut niveau. Il a été exceptionnel lors du derby. Avec son doublé, il est le meilleur buteur en. Du championnat italien de la Serie avec Andrea Belotti du Torino, Lozano de Naples et Lukaku
de l'Inter Milan de Caputo Sassuolo et de Papu Gomez. Alan Dabeg, en Fédération de France, Marseille s'imposant, l'équipe de Demanaunia, donc Nyom Khalifa, AMS, Nyom Tchernoka, Ablaï Tchou, donc Ablaï Tchou, ils sont imposés face à Bordeaux, 3-1 avec un joli but de Florian Thauvin avec sa spéciale du pied gauche. Donc Lille, moi, premier, Lille a battu Lens dans le début du Nord, 4-0. Lille, premier, 17 points, Paris, deuxième, 15 points, le meilleur buteur reste toujours. Ibrahim Niang, même blessé, il est pour l'instant toujours meilleur buteur du championnat de France avec 6 réalisations. Donc, Gagné Ndiaye, Warhol Tied, Warhol Ragal.